Ben H, je voulais revenir sur votre soirée d'hier. Ouais, tout à fait, Anne, je sais. Je sais qu'il est un peu tôt, mais je dois vous dire qu'hier, j'ai passé toute ma soirée, non pas avec une, non pas avec deux, mais bel et bien avec trois femmes. Oh, cette soirée, mes amis. Une à gauche, une à droite, une troisième qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Toutes les trois qui se chamaillaient sous mes yeux pour obtenir la même chose. Mais stop. Calmez-vous, JP, remonte tout de suite ton pantalon. Ok, en temps normal, c'est vrai, ce scénario est excitant. Bon, en temps normal, hein, parce que là, il s'agit juste d'une soirée BFM TV devant le grand débat des candidats pour la mairie de Paris. Ah ouais. Mais je vous ai pas menti, hein. Une à gauche, une à droite, une troisième qui ne sait pas comment s'y prendre, Anne Hidalgo, Rachida Dati et Agnès Buzyn. J'ai bien conscience qu'en termes d'ambiance pour ma soirée, au début de la chronique, vous imaginiez tous... Maintenant que vous savez la vérité, vous dites que ma soirée au final... Bon, maintenant que vous savez que j'ai regardé ce débat, il y a donc deux questions qui se posent. Qui a remporté le débat? Et surtout, est-ce que j'ai pas autre chose à foutre de mes soirées? Alors, je saurais pas vous dire qui a gagné, mais au final, c'est sans doute pas les Parisiens. Quant à moi, effectivement, ma soirée, bah, je l'ai un peu perdue aussi.